ce midi, un poulet chasseur étoilé à petit prix, 5 euros par personne. C'est le plat préféré des Français le dimanche. Et c'est quelque chose qui coûte pas cher. Donc pendant cette période après-fête, eh ben, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose de simple et en même temps bon. Une recette préparée par Dorian, jeune chef étoilé à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. À seulement 34 ans, il est déjà inscrit au célèbre Guide Rouge, une précieuse étoile décrochée il y a 5 ans. Moi, quand j'en parle, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que c'est tellement vif et on travaille tellement pour quand on commence ça, on arrive à ce niveau et c'est des heures de travail et on donne tout pour un objectif. Et cet objectif-là, quand on l'atteint, il est incroyable. Deux faux filets, un point, un saignant et deux potimarrons. Oui, chef. Le poulet chasseur est une recette mythique de la gastronomie française. C'était même le plat préféré de l'illustre romancière George Sand. Mais en réalité, son origine est surprenante. En fouillant un petit peu, effectivement, on tombe dans l'Italie. C'est complètement un plat de campagne. C'était à l'époque les agriculteurs qui utilisaient leur poulet de ferme et ils mettaient dedans ce qu'ils avaient. Tant qu'il y avait un peu de vin blanc, c'était bon. Mais on va commencer en premier temps, on va faire la volaille et après, on va faire les légumes. Alors, on va lever toutes les parties du poulet. L'idée, c'est d'avoir plusieurs morceaux. Donc, on va vraiment couper chaque pièce. On voit déjà que c'est un poulet qui a bien vécu. On voit que la chair, elle est bien ferme, elle est bien rose. C'est vraiment une très belle qualité. Première opération effectuée. Cette volaille de qualité, c'est à 20 km du restaurant qu'il la déniche, chez son ami Loïc, surnommé Papa Poule. Il y a du terrain, on est dehors, et on voit le produit direct. Mais ça tombe bien que tu sois venu aujourd'hui, Dorian. Regarde, ouais. J'ai reçu des poussins. D'accord. Là, ils vont avoir quoi, une petite semaine? Ouais. Donc, tu vois, ils sont bien au chaud, là. Ils sont à 30 degrés. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que le poussin, quand il arrive, il a ce petit duvet partout, sur tout le corps. Ouais. Et plus il va grandir, plus les ailes vont se développer, et notamment l'emplumage. Les plumes vont après les protéger du froid. Et là, on voit vraiment le cou nu. Cette particularité physique a donné son nom à la race cou nu. Ces poussins vont être chouchoutés par Loïc et devenir de gros poulets bien charnus et très gourmands, élevés entre 110 et 150 jours. Allez, c'est l'heure du repas, les poulets. Venez, venez. Alors là, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, alors ils sont un petit peu frileux pour venir, mais sinon, on voit déjà qu'ils sont bien là à picorer. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment le bien-être animal à fond. Il faut 4 mètres carrés à l'extérieur par volaille. Là, on est à plus de 15 et ça leur profite. Et je pense que ça leur apporte une qualité sur la viande aussi qu'on ne retrouve pas sur d'autres volailles qui ont beaucoup moins d'espace. Et surtout, une fierté pour moi de pouvoir servir un chef étoilé, justement. Un véritable honneur pour Loïc, qui a lui-même proposé ses volailles à Dorian lors d'un dîner. Ça s'est fait à l'occasion d'une sortie au restaurant avec ma compagne. Quand je suis sorti du repas que Dorian nous avait confectionné, je me suis dit, il faut que je lui propose mes volailles. Il m'explique un peu sa théorie sur l'élevage. Et là, moi, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. De retour en cuisine, notre chef finalise la préparation de ces morceaux de poulet. Donc là, une étape un peu importante, on va fariner les morceaux de volaille pour, à la cuisson, avoir un peu une coloration un peu plus importante, ce qui va permettre d'avoir un peu ce côté un peu plus gourmand et ce qui va aussi aider un peu à lier la sauce. Alors la cuisine, c'est vraiment un jeu, c'est vraiment une passion, c'est vraiment ce qui me plaît. Une passion qui démarre tout petit dans le camping auvergnat de ses parents. Je vais leur filer un petit coup de main l'été au snack, à faire des petites frites, à faire des choses comme ça. Il fallait aller vite parce qu'il y avait beaucoup de monde. On garde vraiment un super souvenir. C'était que des frites, c'était simple, mais je pense que ça a dû attaquer par là. Pas de frites aujourd'hui pour notre poulet chasseur, mais 3 carottes, 3 échalotes et 2 gousses d'ail. Notre chef les épluche et les taille en petits dés. Donc on va prendre les champignons de Paris, on va les éplucher et on va passer juste un coup de torchon après dessus. Alors les pieds de mouton, c'est là où il y a un petit peu plus de travail. Les pieds de mouton, il faut les gratter un petit peu. Quand on retourne le champignon, il y a des petites espèces de petites membranes là qui font exactement comme les pieds de mouton. On ne caresse pas souvent le pied du mouton, mais bon, en soi, effectivement, dessous, ça a un peu la même texture. Il ne reste plus qu'à les rincer et à les couper grossièrement. Il démarre maintenant la cuisson de la viande dans de l'huile de pépins de raisin et du beurre. Puis les fait dorer entre 5 et 10 minutes. Là, on voit que ça mousse bien, que la farine, ça fait mousser avec le beurre, que ça fasse bien effet, on va colorer un peu tout ça. Il faut juste faire attention que ça ne brûle pas, parce que ça va quand même assez vite. Le chef réserve ses morceaux de viande et les assaisonne. Il s'attaque maintenant à la cuisson des légumes. On va faire les carottes, les échalotes avec les gousses d'ail.
Donc là, on commence à avoir une bonne coloration. Les échalotes sont plutôt bien saisies. On va rajouter les champignons. Pour le vin, on peut mettre ce qu'on veut, ce qu'on a à la maison. Après, il faut éviter les vins sucrés. Surtout, vu que ça reste une recette familiale de maison, généralement, c'est ce qu'on a dans le frigo, quoi. Il ajoute un concassé de tomates et les morceaux de poulet pré-cuits. C'est parti pour 1h30 à couvert. En fin de cuisson, il ne reste plus qu'à saupoudrer d'estragon et à servir. Allez, bon, on va goûter cette volaille. Allez, bon appétit. Ce plat, c'est la consécration du travail en amont, sublimé par un chef excellent derrière, quoi. Mes compliments, surtout pour l'éleveur, parce qu'il y a du job derrière. Si vous aussi à la maison, vous voulez vous régaler avec un bon poulet chasseur, écoutez bien le dernier petit secret de notre chef étoilé. C'est la cuisine du cœur, la vraie cuisine. C'est la cuisine de celle qu'on a envie de faire. C'est une cuisine, c'est pas obligé d'être cher pour que ce soit bon. Hein, la phrase de Paul Bocuse, c'est une grande pomme de terre, c'est déjà une grande cuisine. Donc en soi, c'est tant qu'on y met beaucoup de plaisir, du goût, je pense qu'on en a tout gagné.